Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renforcement full body sans matériel avec plusieurs options sur chaque exercice pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. On fait un petit échauffement avant toute chose et ensuite vous aurez bien sûr besoin d'une bouteille d'eau pour vous hydrater, c'est important, d'un tapis, des baskets, c'est mieux, c'est plus confortable et c'est plus sécure. Allez, on s'échauffe. Allez, petit pas sur le côté. C'est parfait. Et on lève genou, lève genou. D'un côté puis de l'autre. Essaye vraiment de faire le grand mouvement. Grandis-toi au maximum. Et talons fesses, talons. Talons. Tire bien tes coudes vers l'arrière. Toujours le buste bien droit. La sangle abdominale contractée. Et on repart genou-poitrine. Allez, toujours de très grands mouvements. Et on repart en step touch. Resserre tes pieds. Écarte et serre les bras en même temps à hauteur de poitrine. Garde les épaules basses, le cou dégagé. Et même chose en direction du plafond. Allez, sens le cardio qui commence à monter un petit peu. Tu ressens les épaules qui commencent à s'échauffer, les bras. Et talons fesses. On tire bien ses coudes vers l'arrière. On pointe cette fois-ci sur le côté. Petite flexion vers le milieu. Toujours la sangle abdominale tonique. Le muscle droit est fier de toi. Et on trace de grands cercles avec les bras. Toujours la petite flexion au centre. Allez, on fait travailler un petit peu la coordination, les deux bras en même temps. C'est parfait. On garde le rythme. Et dans l'autre sens. Toujours la petite flexion au centre. Garde les bras sur le côté. Resserre les pieds. Petit cercle avec les bras. Tout petit cercle. Et dans l'autre sens. Et on repart en pointant, pointe, pointe. On repousse petit à petit sur le côté. Et dans la diagonale. Étire-toi bien. Et resserre tes pieds tout doucement. Continue à monter le bras. Tu resserres petit à petit. Très bien. Et marche, inspire. On inspire, on peut garder les pieds écartés de la largeur du bassin, tu relâches complètement le buste vers l'avant, relâche les épaules et la nuque, et fléchis les genoux, déroule tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Pour le premier exercice, on pourra prendre son tapis. Alors, on va commencer par une première option, d'accord? Il y aura trois séries. On commence par une première option. Si tu sens que tu ne peux pas passer à l'option suivante, c'est pas grave, tu feras trois séries avec la première option. Ok? On est bon? On sera donc à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur de bassin, les mains écartées de la largeur d'épaule, l'épaule bien au-dessus, pardon, du poignet. Et tu étends bras-jambes opposés. Là, la sangle abdominale, elle est toute dure. T'imagines que tu as un verre posé sur le bas du dos. Il ne doit pas bouger. Et on alterne d'un côté de l'autre corps. Expire bien.
en montant le bras et la jambe. C'est bien le fessier qui se contracte qui te permet de relever la jambe. Expire et on ne bouge plus, on tient. Allez, toujours l'épaule bien au-dessus du poignet. Les deux os du bassin face au sol, le nombril rentré. On reste. Toute petite pulsion, toute petite du fessier et du bras. Serre la fesse, ça te permet de monter la jambe. La tête bien dans le prolongement, essaye de ne pas fléchir la nuque. Super. Et de l'autre côté, on ne bouge plus, on reste. Allez, maintiens. Essaye de ne pas ouvrir le bassin là sur le côté. Bien les deux os du bassin face au sol. La tête dans le prolongement. Tout petit mouvement. Contracte le fessier et relâche. Super. C'est très bien. Parfait. Ok. On passe sur le bas de la cuisse. Là, si on peut, on garde la pointe au sol en étant bras-jambes opposés. On est parti, go! Si tu sens que c'est trop difficile, il faut bien garder les fessiers dans le prolongement du buste. Si tu sens que c'est trop difficile, tu restes à quatre pattes, il n'y a aucun problème. On ne bouge plus, on reste. Maintiens. Là, les fessiers, c'est pas bon, hein. Si tu veux vraiment être sur la deuxième option, les fessiers sont dans le prolongement. Sinon, tu es à quatre pattes. Tout petit mouvement. Tout petit. Si tu arrives, tu décolles le pied du sol. Allez, tiens bon. Résiste. C'est parfait. Et même chose de l'autre côté, on ne bouge plus, on reste. La pointe au sol pour commencer. Allez, tiens bon. Les fessiers dans le prolongement du buste. On résiste. Et tout petit mouvement. Tout petit. Expire bien en montant la main. Pardon. Et on ne bouge plus, on reste. Pour la troisième et dernière série, si tu peux, on sera presque à quatre pattes. Pas tout à fait, ou là je perds l'équilibre. Parce qu'on ne laissera pas ses genoux sur le sol. Relâche. On est parti. Presque à quatre pattes. Et tu étends. Prends le temps. Super. Prends le temps. C'est très bien. Allez, on tient bon. Si c'est trop dur, tu repasses à quatre pattes. Garde bien la tête dans le prolongement du buste. La sangle abdominale contractée. Et on ne bouge plus, on maintient. Trouve le point d'équilibre, résiste. Allez, tiens bon. N'hésite pas à reposer le genou au sol. Même chose de l'autre côté, go. Allez, tiens bon. Contracte le fessier. Trouve le point d'équilibre. Résiste. Et tu peux relâcher. Pose les fessiers sur les talons, relâche le buste. Relâche les épaules, relâche la nuque. N'hésite pas à t'hydrater au besoin. Et on passera allongé sur le dos. Là, tu as juste commencé à sentir un petit peu les bras. Hein? Les fessiers aussi. Allez, pour l'exercice suivant. Tu peux avoir le dos sur le tapis. Je te conseille d'avoir les pieds sur le sol. Tu vas comprendre pourquoi. Pareil, cette fois-ci, on aura deux options possibles, mais trois séries. Pour la troisième, tu choisiras l'option qui te convient. Pour la première, on peut la faire ensemble. On s'allonge sur le dos. D'accord? Jambes fléchies, pieds au sol. Le repère du début, le bout des doigts touche les talons. On décolle les fessiers du sol, on garde bien le nombril rentré. Le pubis en direction du plafond. Paume de main plutôt vers le plafond. Et on avance petit à petit, un pied après l'autre. Allez, jusqu'au max, les fesses ne touchent pas le sol. Et on revient petit à petit. Et à ton rythme. Petit pas vers l'avant.
Petit pas, tu reviens. Petit pas vers l'avant. Petit pas, tu reviens. Encore. On garde jambes fléchies. On monte et on descend. Contracte bien les fessiers. Garde le nombril rentré. Les pieds n'avancent plus, hein. Expire à la montée. On reste en toute petite pulsion. Serre les fessiers. Allez, serre-les au maximum, le plus fort que tu peux. On ne bouge plus, on reste. Et on avance les pieds. Et on revient. Encore, avance les pieds. Et tu reviens. On reste bien écarté, largeur de bassin de haut en bas. Grand mouvement. Serre les fessiers. Le plus fort possible. Le nombril toujours bien rentré. On reste en tout petit mouvement. Tout petit, tout petit. Si tu peux prendre appui sur le haut du corps, on va passer à la deuxième option. On ne bouge plus, on reste. On serre au maximum les fessiers. Si tu penses ne pas pouvoir prendre appui, tu restes comme ça. Sinon, tu diriges les doigts vers tes fessiers. On est ici, en table. La tête bien dans le prolongement du corps. Les bras écartés de la largeur d'épaule. Et même chose, on étend les jambes. Petit pas vers l'avant, jusqu'à la planche et tu reviens. Garde bien les fessiers décollés du sol. Allez, tiens bon. Et on reste de haut en bas. C'est la même chose si tu restes allongé sur le sol. On fait travailler les mêmes muscles. Là, on a un peu plus d'appui par contre sur le haut du corps que tu n'as pas si tu es allongé sur le dos. Et on reste en petit mouvement. Garde bien la tête dans le prolongement, toujours. Serre les fessiers. Destruction massive de fessiers, là. Antigravité. On tient bon. Et on est reparti, avance. Jusqu'à la planche inversée et reviens. Encore. Tu dois sentir l'arrière des cuisses qui chauffe. Les fessiers. On repart de haut en bas. Go! Allez, expire bien à la montée. Très bien. C'est parfait. Est-ce que tu sens les fesses qui brûlent? On reste en petit mouvement. Toute petite pulsion. On partira sur la troisième série. Tu choisis. Soit tu t'allonges sur le dos, soit tu restes dans cette position. Avance les pieds, go! Et reviens. Encore, décolle bien les fessiers, le nombril est rentré, tu creuses pas le bas du dos. On garde les pieds écartés de la largeur du bassin, de haut en bas, go! Souffle à la montée. C'est très bien. Allez, plutôt on appuie sur le talon, mais tu peux prendre l'appui sur tout le pied sans souci. On reste en toute petite pulsion. C'est pas juste je monte, je descends, hein. Contracte les fessiers, c'est bien là le plus important. Jusqu'au bout. Et tu relâches. Super. Tu peux relâcher complètement le buste entre les jambes. Relâche les épaules, relâche la nuque. Ressens ta chaîne postérieure qui s'étire. Et déroule le dos. Pense à t'hydrater. On passera en position de gainage. Ou de demi-gainage. Comme tu peux. On va bien sûr travailler toute la sangle abdominale, mais sur ce gainage-là, on va aussi travailler le haut du corps. Biceps, triceps, pec. Je te montre. On va faire pareil. On va commencer par l'option numéro 1 en étant sur le bas de la cuisse, puis on le fera, si possible, sur demi-pointe. Si vraiment c'est trop dur en étant sur le bas de la cuisse, tu peux le faire en étant à quatre pattes, c'est pas un souci. Ok, donc sur le bas de la cuisse, tu positionnes tes genoux. Hop. Tu positionnes le bas de la cuisse sur le tapis. On va descendre, descendre, remonter, remonter. Tu essayes d'alterner. Un coup c'est le bras droit, un coup c'est le bras gauche qui repousse. On est bon? Allez, on descend en premier son bras droit.
On est parti, go! Descends le bras droit. Repousse sur le bras gauche, descends le bras gauche. Repousse sur le droit. Descends le droit, repousse le gauche. Descends le gauche, repousse le droit. Allez, tiens bon. Parfait, en restant, on ne bouge plus, planche haute. L'épaule au-dessus du poignet, le nombril rentré, la tête dans le prolongement, pas là. Hop, on tient, on tient, on tient. Résiste, résiste. Et même chose sur les avant-bras. Écarte bien les doigts dans le sol. Les coudes écartés de la largeur d'épaule. Maintiens la tête dans le prolongement. Résiste. Si tu peux, option 2 sur les pointes de pied. Go, pousse. Allez, on alterne. Une fois gauche, une fois droite. Tu peux écarter plus ou moins les pieds. Plus tu les écartes, plus tu auras de facilité. On ne bouge plus, on reste. Maintiens. Plus tu as les pieds serrés, plus c'est difficile. Plus tu as les pieds écartés, plus c'est facile. Résiste, résiste. Et planche basse sur les avant-bras, les doigts bien écartés. On prend bien l'appui sur toute la paume de main. Il nous reste une troisième et dernière série sur cet exercice. Soit tu reposes le bas de la cuisse au sol, soit tu es toujours sur les pointes de pied. On est parti, go! Allez, tu alternes bien d'un côté puis de l'autre. Alterne d'un côté puis de l'autre. On tient bon. 4, 3, 2, 1. Et le dernier, tu restes en haut. Maintiens la planche haute. Repousse bien sur les mains. Les épaules au-dessus des poignets. Le nombril rentré. On tient, on tient, on tient. Allez, résiste. Plus que 4, 3, 2, sur les avant-bras, dernière seconde, on tient, ça sent la fin, on termine ensemble, on fait ensemble jusqu'au bout, lâche pas, lâche pas, n'hésite pas à te mettre sur le bas de la cuisse, mais sinon, tiens, et tu relâches, go! Allez, j'espère que tout se passe bien chez vous, n'hésitez pas à vous hydrater, on restera debout, on va travailler les jambes. Tu peux pousser un petit peu ton tapis. On va être debout. Ok. On commence par des squats, pieds écartés de la largeur du bassin. Sur le squat, on ne descend pas comme ça là. C'est pas bon pour ton dos. Ouvre ta poitrine, t'es fier de toi. Sois toujours fier de ce que tu fais. On descend, on remonte. Ce qui est aussi très important, la position des genoux, on essaye de ne pas les rapprocher, de ne pas trop les écarter, ils restent bien dans l'axe des chevilles. T'es prêt? Squat, tout simple pour commencer, go! Allez, descends les fessiers. Expire quand tu remontes. Garde le dos plat, le buste droit. T'imagines que tu as un mur devant toi. Si tu te penches là, tu te prends le mur. On est d'accord? Reste en bas. Toute petite pulsion. Fier, fier, fier. Proud of you. Allez, go! Tiens bon. Et on ne bouge plus. Mouvement de la chaise. Et tu vas même étendre tes bras. Si tu peux. Tu vas voir, c'est un petit peu plus dur, mais comme ça, tu te forces à ouvrir un petit peu la poitrine. Par contre, tu gardes le nombril rentré pour ne pas creuser le bas du dos. Ok. Là, tu écartes tes pieds. Pointe vers l'extérieur. Si tu peux. Sumo squat. On est prêt. On remonte. Go! Allez, expire. Très bien. Tu souffles quand tu montes. Très bien. Encore un peu. Allez, c'est parfait. Tu devrais plus ressentir l'intérieur des cuisses, les fessiers. Et on reste en bas. Toute petite pulsion. Toute petite. Pour la troisième série, ce qu'on fera, c'est qu'on va alterner. Un squat de pied parallèle, un squat de pied écarté. T'es prête? On ne bouge plus, on reste. Maintiens. Maintiens. Toujours le buste droit. Pense au mur. On résiste. Essaye de descendre un petit peu plus sur les jambes. On partira pour alterner. Squat. Pieds serrés. Squat, pieds écartés. Go, on est parti. Allez. C'est parfait. Très bien.
On continue. Elle respire, écartez largeur de bassin, petit mouvement. Tu devrais bien commencer à sentir là, l'avant de la cuisse qui chauffe, qui brûle. On résiste, on résiste. Pieds écartés, petit mouvement. Ce sont les derniers. Tiens bon, jusqu'au bout. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Cuisse en feu. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. On reprendra son tapis pour un exercice qui va faire travailler essentiellement le haut du corps. Pense à boire. Hein. Alors, c'est pareil, on va y aller par étapes, d'accord? On va commencer par l'étape 1. Si tu le sens que sur l'étape 1, tu fais que l'étape 1. Le but, c'est de ne pas brûler les étapes, d'arriver à tenir un mouvement du début à la fin. Donc, il vaut mieux prendre une étape peut-être plus simple et tenir. On a les genoux écartés de la largeur du bassin. On vient prendre les mains pour cette option-là, un peu plus large que la largeur du tapis. Sur une ligne imaginaire avec la poitrine, on descend, on remonte, on est parti. Monte et descend. Juste ça dans un premier temps. Prendre un peu le mouvement. Tu expires bien quand tu remontes. Ok, dans un deuxième temps, tu remontes. Tu viens toucher un genou. Tu redescends, tu viens toucher l'autre. Descends, touche genou. Encore. Touche genou. T'as compris le truc? C'est parfait. Dernière fois de chaque côté. Et on reste. Bras fléchis. Tu viens te placer, si tu peux, sur le bas de la cuisse. Et on fait la même chose. Tu descends. Tu remontes, juste ça dans un premier temps. Expire bien. Souffle à la montée. Deuxième temps, tu descends, remonte, touche un genou. Touche un genou. Essaye de bouger le bassin le moins possible. Super, prends le temps. Super. Et on ne bouge plus, on reste bras fléchis. Si tu peux. Dernière étape, tu peux ramener les bras, écarter la largeur, le bassin, te mettre sur les pointes de pied. Et on est parti. Descends et monte. C'est parfait. Expire bien. Là, si tu es sur cette option, le coude descend le long de la taille. Sinon, tu gardes les mains écartées et tu es sur le bas du genou. Et là, tu descends. Tu viens toucher la cheville. Encore, descends. Et touche cheville. Super. On tient bon. Et on reste. On ne bouge plus. Maintiens, maintiens. Repousse bien sur la main qui est au sol. 4, 3, 2. Même chose de l'autre côté. Maintiens. Résiste, résiste. On tient bon. Garde bien le nombril rentré. Repousse bien sur la main qui est au sol. Et on reste planche haute. Tu peux être sur le bas de la cuisse. Derniers instants. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Pose les fessiers sur les talons et va chercher le plus loin possible vers l'avant. Allez, on restera au sol pour l'exercice. Oups, je vous dis des sottises en plus. On repassera debout pour le dernier exercice debout. Pour l'exercice suivant, tu prendras place sur une jambe. Le but, si tu peux ne pas reposer le pied au sol, c'est très bien. Si tu es obligé de le reposer à chaque fois, c'est pas grave. Si tu veux prendre appui contre un mur, tu peux. Ou avec une chaise, ou avec ce que tu as. Mais le but, c'est quand même faire travailler et la jambe d'appui, qui doit maintenir l'équilibre, et l'autre jambe, et la sangle abdominale. On est prêts?
On descend. Buste droit. On remonte son genou. On est parti. Go. Allonge-toi bien. Là, c'est pareil. La sangle abdominale. Toute droite. Je ne vais pas là. D'accord? Dans ce cas, t'es là. Ouais. Et on ne bouge plus, on maintient. Garde ta jambe d'appui légèrement fléchie. Les deux os du bassin face au sol. Tu maintiens. On résiste. La sangle abdominale bien contractée. Et tu remontes tout doucement. 4, 3, 2. Tu redescends tout doucement. 4, 3, 2. Encore. 4, 3, 2. Redescends tout doucement. 4, 3, 2. On repart en grand mouvement. Go! Si tu peux sans reposer ton pied au sol. Étends-toi bien. Du sommet du crâne jusqu'au bout du pied. On ne bouge plus, on reste. Maintiens, maintiens. Allez, résiste. Tu dois sentir ta jambe d'appui là qui chauffe à fond. Le fessier aussi. Et tout doucement. 4, 3, 2, encore. C'est parfait. Une troisième et dernière série, go! Allez, c'est très très bien, tiens jusqu'au bout, je sais que ça chauffe la jambe d'appui. On ne bouge plus, on maintient. Derniers instants, résiste jusqu'au bout. Allez, tiens bon. 4, 3, 2, et tu relâches. Normalement là, tu as senti. Ton fessier chauffé, la sangle abdominale forcément était aussi contractée. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. La jambe d'appui très légèrement fléchie. On est parti, go! C'est très bien. Garde bien la tête dans le prolongement du buste. Serre les abdos. On ne bouge plus, on maintient. Fléchis légèrement ta jambe d'appui. Essaye de bien garder les deux os du bassin face au sol. Allez, on tient, on tient, on tient. Et tout doucement, remonte. Redescends tout doucement. Tout doucement, remonte. Redescends tout doucement. Et on repart en grand mouvement, deuxième. Expire bien. En remontant. On ne bouge plus, on reste. Allez, tiens bon, tiens bon. Garde les abdos contractés. Et tu remontes tout doucement. Redescends tout doucement. Remonte tout doucement. Redescends tout doucement. Troisième et dernière série, go! C'est parfait. Essaye de garder ton équilibre au maximum. Très bien. On ne bouge plus, on reste. Derniers instants. Maintiens bien. Garde la tête dans le prolongement du corps. La jambe dans le prolongement du buste. On tient, on résiste. 4, 3, 2 et relâche. Allez, secoue un petit peu les jambes. Et on passera allongé sur le ventre. On sera allongé sur le ventre. Avant-dernier exercice. Ok, garde bien. Nombril rentré, pubis plaqué. On garde les mains à hauteur d'épaule. On décolle le buste, on étend les bras, on ramène et on redescend. Juste ça dans un premier temps. Décolle, étend. Si c'est trop difficile, tu gardes la tête au sol et tu le fais uniquement avec les bras. Go! Allez, c'est très bien. Garde bien le nombril rentré, le pubis plaqué.
paquet, tu protèges le bas du dos. Super. Et on ne bouge plus, on reste bras tendus. Maintiens la tête dans le prolongement du corps. Essaye de décoller un petit peu. L'avant de l'épaule. On tient, on tient, on tient. Garde les abdos contractés. Ok. Bras, mains à hauteur d'épaule. Tu essayes de décoller la poitrine légèrement. Si c'est trop dur, n'hésite pas à garder la tête posée au sol. 4, 3, 2, et on repart en grand mouvement. Expire. Allez, c'est très très bien. On ne bouge plus, on reste. Les abdos bien contractés, maintiens. Grandis-toi jusqu'au bout des doigts, la tête bien dans le prolongement du corps. On résiste. Allez, tiens bon. Et les mains à hauteur d'épaule. Tiens bon, tiens bon. Ne bloque pas ta respiration, hein. Tu vas devenir tout rouge, tu vas éclater. On tient. Plus que 4, 3, 2, et tu reposes le haut du corps. Tu peux placer le front sur les mains. Si tu as vraiment une poitrine opulente, tu peux placer un petit coussin pour poser le front. On va décoller cette fois-ci. Les deux jambes tendues du sol. On est parti, go, expire. Très bien. C'est parfait. C'est vraiment la contraction du fessier qui te permet de décoller le bas de la cuisse du sol. Et on reste en haut. On ne pousse plus. Maintiens, maintiens. C'est très bien. Tout petit mouvement que tu écartes et tu resserres les jambes. En gardant le bas de la cuisse décollé du sol. Allez, tiens bon. Tu gardes les pieds serrés, on repart de haut en bas, go! Expire bien à la montée. Allez, tu dois ressentir ton fessier là qui se contracte. Antigravité toujours, on reste en haut, on ne bouge plus, on reste. Maintiens. Lutte contre la pesanteur. Tiens bon, tiens bon. Et tu écartes, tu resserres les pieds, on est parti. C'est parfait ça. Si tu me connais un peu, que tu as déjà fait des cours avec moi, tu sais qu'on va maintenant combiner. Tu places les mains à hauteur d'épaule, tu redescends les pieds sur le sol et on est parti. Décolle, repousse vers l'avant. Encore. Allez, tiens bon. Expire bien à la montée, garde le nombril rentré. C'est très bien. Tu dois ressentir toute la chaîne postérieure qui travaille. Les fessiers, l'arrière de la cuisse, le dos. On ne bouge plus, on reste. Maintiens, maintiens. Jambes tendues, bras tendus. Résiste. On place les mains à hauteur d'oreille. Et là, petit mouvement des pieds. Écarte serre. Il nous reste une deuxième série. En combiné, on repartira. En grand mouvement. Allez, on est reparti. Go. C'est parfait. Très bien. Et on reste, on ne bouge plus. Superwoman, Superman. Maintiens, maintiens, grandis-toi du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Ramène les mains à hauteur d'épaule. Et 4, serre les jambes, ce sont les derniers. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Super, viens poser les fessiers sur les talons. Relâche le haut du dos. N'hésite pas à t'hydrater et on pourra passer allongé sur le tapis pour le dernier exercice. Allez, tu es allongé sur le dos. Pour commencer, tu peux garder les jambes fléchies
les poings sous les fessiers. On va venir étendre une pointe, puis l'autre. D'accord? C'est très bien. Garde bien le bas du dos plaqué, essaye de ne pas contracter au niveau du cou. Et on maintient une pointe vers le bas. Essaye vraiment de garder le nombril rentré. Verrouille ton périnée, expire profondément. Même chose de l'autre côté. On inspire et on expire le plus longtemps possible. Comme ça, on fait travailler en même temps son transverse. Maintiens, maintiens, maintiens. On résiste, on résiste. Parfait. Si tu peux, tu viens étendre une seule jambe vers l'avant. Très bien. Tu as donc une jambe fléchie, une jambe qui s'étend. Tu peux toujours avoir les poings sous les fessiers. Et tu maintiens sans bloquer la respiration. Expire. Expire le plus longtemps possible comme si tu cherchais à enlever une vitre. Même chose de l'autre côté. Maintiens. C'est parfait. Si tu peux, l'option suivante, c'est d'étendre complètement ses jambes. Grand mouvement. Si c'est trop difficile, tu te rappelles. L'option 1 ou l'option 2. C'est parfait. Et on ne bouge plus, on maintient. Une jambe tendue au plafond, une jambe tendue dans le prolongement du corps. Tu maintiens. Sans que la jambe ne repose sur le sol. Hein. Résiste, résiste. Même chose de l'autre côté, tu maintiens. Et c'est là où ça va se complexifier, pardon, un petit peu. Il va falloir, si tu peux, décoller les omoplates du sol. Placer le bout des doigts derrière la tête. Et donc avec les jambes, soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3. Bras, jambes opposées, tu es prêt. Sans tirer sur la nuque, on remonte bien l'épaule en direction du genou opposé. Let's go! On aura deux séries comme ça. Essaye vraiment de décoller l'omoplate du sol. Le coude, tu vois, ça fait pas bien d'effort. Projette l'épaule vraiment vers ta jambe opposée. On ne bouge plus, on reste. Tout petit mouvement. Expire. Essaye de décoller les deux omoplates du sol. Les deux. Parce que là, tu vois, bof. Allez, même chose de l'autre côté. Expire bien à la montée. Ne tire pas sur la nuque, juste le bout des doigts posé. C'est très bien. Deuxième et dernière série, on est parti. Allez, expire en décollant vos plates du sol. Et on reste, petit mouvement. Allez, tiens bon, ne bloque pas ta respiration, toujours. C'est parfait, pense bien à verrouiller ton périnée, c'est hyper important, je t'assure. Même chose de l'autre côté pour terminer. Allez, c'est très bien. On tient ensemble jusqu'au bout, ce sont les derniers instants. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. C'est parfait. On va pouvoir s'étirer pour aujourd'hui. Allez, on pourra commencer debout. Très bien. Tu prends appui sur une de tes deux jambes. Tu la fléchis très légèrement. Tu ramènes ton talon sur le fessier. Les deux genoux côte à côte. Et là, très important pour vraiment ressentir l'étirement de la cuisse, tu bascules le bassin vers l'avant. D'accord? Et tu gardes les abdos serrés, mais tu contractes le fessier sur lequel tu as posé le talon. Là, toutes ces forces opposées te permettent d'étirer au mieux l'avant de ta cuisse. C'est parfait. Tu vas étendre cette
jambes vers l'avant, pointe de pied flex. Et là, on va étirer de façon dynamique l'arrière de la jambe. Tu descends le dos le plus plat possible en poussant bien les fessiers vers l'arrière. Et tu remontes. Encore. Descends, fessiers vers l'arrière, dos plat. Et remonte. Super. Garde le dos vraiment le plus plat possible. Et maintiens. Si tu as tendance à enrouler un petit peu le dos, ce que tu peux faire, c'est placer tes deux mains à l'arrière du buste. Comme ça, ça te force à ouvrir la poitrine et à garder le dos le plus plat possible. Et repose le pied à plat sur le sol. Étends les deux jambes. Relâche complètement le buste. Relâche les épaules, relâche la nuque. Ressens l'arrière des jambes qui s'étire. Puis tu peux fléchir les jambes. Déroule tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Normalement, ta jambe qui est devant devient ta jambe d'appui. Normalement, tu as changé de jambe. On garde bien les deux genoux côte à côte. La jambe d'appui légèrement fléchie. Abdos, bassin, fessiers contractés. Et ressens l'avant de la cuisse qui s'étire. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi encore un petit peu. Super. Tu relâches ton pied vers l'avant, pointe de pied flex. Tu te rappelles, étirement dynamique. Pousse les fessiers vers l'arrière. Et remonte. Comme si tu enlevais ton pantalon. Ouh, c'est chaud. J'avais pas encore trop dit de bêtises pour aujourd'hui. Allez, super. C'est parfait. Très bien. Une dernière fois. Et tu restes. On place les mains à l'arrière du buste. On ouvre bien la poitrine. La pointe de pied flex pour bien que ça tire l'arrière de la jambe, c'est le but. Étire les mollets, tout l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, peut-être même jusqu'aux fessiers. Et pose ton pied à plat. Relâche le buste. Relâche les épaules, relâche la nuque. Parfait. Rapproche tes deux pieds, écarte de la largeur de ton bassin, relâche les épaules et la nuque. Tu ressens tout l'arrière des jambes qui s'étire. Tu fléchis les genoux, tu déroules le dos. Tout doucement, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. Et on se place sur son tapis. Allez, on va étirer un petit peu la poitrine. Pour cela, les fessiers sur les talons. Tu vas chercher le plus loin possible vers l'avant en gardant les bras tendus. Relâche la tête, tu peux poser le front sur le sol. Et là, tu devrais sentir la poitrine et peut-être l'avant de l'épaule qui s'étire. Parfait, puis tu viens placer un bras par-dessous l'autre, paume de main dirigée vers le plafond et va chercher le plus loin possible, sur le côté, pardon, en regardant ta main. Tu devrais ressentir l'épaule qui s'étire et reviens milieu, même chose de l'autre côté, paume de main dirigée vers le plafond, tu suis ta main du regard le plus loin possible. Parfait, reviens. On vient se placer sur le bas de la cuisse. Étirement dynamique des quadriceps. Tu reviens. Placez les fessiers sur les talons. Et de nouveau, prends appui sur les mains. Jusque sur le bas de la cuisse. Avance les épaules hein, jusqu'au-dessus des poignets. Et tu reviens. Encore une fois. Dernière fois. Et on se place à quatre pattes. Les mains écartées de la largeur d'épaule, les genoux écartés de la largeur du bassin. Tu repousses le plus fort possible en enroulant vraiment le dos, la tête entre les deux bras. Expire bien, puis inspire. Creuse le dos, va chercher le plus loin possible vers l'avant avec le regard. Et encore. Expire. Inspire, dos creux. Une dernière fois. Et de creux. Et place les pointes de pied sur le sol. Tu repousses. Étends les jambes. Place les talons sur le sol. Projette la poitrine en direction des jambes. Puis soit en fléchissant les jambes, soit en gardant les jambes tendues, tu ramènes une main après l'autre.
Relâche complètement le buste, relâche les épaules et la nuque. Fléchis les genoux et déroule tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. Tu pourras placer un pied vers l'avant, l'autre pied croisé par derrière, les deux pieds bien à plat, et tu relâches le buste. Tu ressens davantage une jambe qui s'étire, peut-être les côtés des fessiers également. Puis fléchissez, déroulez le dos tout doucement, échangez les jambes. La jambe qui était à l'arrière passe à l'avant, relâchez le buste sur les deux jambes tendues. Relâchez les épaules et la nuque. Ressentez davantage l'arrière de la jambe arrière qui s'étire. Et fléchissez les genoux, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. Les pieds écartés de la largeur de bassin. On s'étire le plus loin possible sur le côté. Et on revenez milieu. Même chose de l'autre côté. Et revenez milieu, les deux mains en direction du plafond. On se grandit jusqu'au bout des doigts, on prend une grande inspiration. Expirez, relâchez. Et vous pouvez vous applaudir bien fort, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous accomplissez. Chaque séance faite est une très bonne séance. Mieux en tout cas que si vous n'en aviez pas fait, gardez toujours ça en tête. Et chaque petit progrès, mis bout à bout, donne de grands changements. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à partager, à en parler si ça vous a plu. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram également. Bonne journée !